Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, enfin une vidéo, bonne vidéo, pour le défi concernant le défi de customiser une pince à linge vintage, comme ceci. Donc je sais pas si vous vous rappelez, Corinne m'avait donné en défi de filmer sur ma chaîne une création à partir d'une pince à linge vintage. Donc altérer une pince à linge vintage. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai fait hors caméra. Donc, j'ai fait cette petite sorcière sur son balai. Voilà. Et donc, là, je vais vous montrer ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Enfin, je vais réaliser avec vous une autre sorcière, mais en changeant la couleur des cheveux et tout ça. Donc, alors, pour ceci, je me suis un peu avancée, oui et non. Donc j'ai pris une petite boule de polystyrène déjà, alors c'est de la marque Rayer, je crois. Ça fait longtemps que je les ai. Je les avais achetées pour faire des petites créas de Noël parce que dans le temps je faisais des marchés de Noël. Et du coup, comme il m'en restait, je me suis dit ben c'est le moyen de les utiliser. Donc à l'origine, il y a un tout petit trou là. Donc moi avec un outil de précision, j'ai agrandi le trou pour que ma petite pince à linge vienne, ma petite pince à linge, oui, vienne s'enfiler dans le trou. Ensuite, pour m'avancer, parce que c'était beaucoup trop long, j'ai collé au pistolet à colle de la laine orange que j'avais chez moi, parce qu'avant je tricotais. Je suis passée par la pâte fimo, le tricot, bien d'autres choses, la peinture. En ce moment, c'est le scrap à fond. Et donc, je vais faire la petite poupée avec vous pour relever le défi de Corinne. Alors, je mets de la colle dans le trou. Ensuite, je viens glisser ma pince à linge. Voilà, comme ceci. J'ai pris de la feutrine violette pour faire le corps, enfin pour faire l'habit de la petite poupée. Donc, j'ai découpé deux morceaux que je vais enrouler autour de ma pince à linge. Donc j'ai fait avec les ciseaux crampeurs. Donc c'est pareil, quand je faisais un peu de couture, j'avais acheté un petit peu de matériel. Donc c'est parti, on va enrouler la petite robe autour de la poupée. Voilà. Je vais descendre, mais pas trop loin parce que je vais lui mettre ses bras avant de continuer le reste. Alors, je vous ai mis la lumière aujourd'hui parce que la luminosité, c'est pas le top. C'est la première fois que ça m'arrive, donc on verra comment ça donne. Donc, pour les bras, j'ai pris ceci. Je crois que ça s'appelle du fil chenille. J'avais pris ça, je l'avais acheté pour faire pareil, des petits trucs en tricotin, des petits animaux en tricotin en polystyrène. Il me semble que j'avais fait une photo sur Instagram il y a très très longtemps. Et comme j'avais dans les tons orange, même si ça fait un peu fauve, je me suis dit pourquoi pas. Et donc je vais lui mettre ses petits bras. Je vais lui coller les petits bras derrière. Hop. Si elle a les bras trop longs, ben, je lui recouperai après, on verra. Donc celle-ci, j'ai décidé de ne pas la faire sur un balai, mais je vais la faire avec son petit chat noir. Enfin, je vais essayer de la faire avec son petit chat noir. On continue. Pistolet à colle. Voilà. J'espère, Corinne, que le défi sera relevé. Alors, je dois vous dire que pour moi, c'est un gros défi parce que je ne suis pas du tout patiente pour deux sous et moi, j'aime toujours que les choses soient finies avant d'être commencées. Ce qui est pas trop trop possible, n'est-ce pas? Donc, j'ai pris sur moi et j'ai pris du temps. J'ai fait ça hier soir, la petite sorcière, la première. Je me suis dit, j'ai tout calculé
pour faire en vidéo, pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc là, pour l'instant, c'est pas trop mal. Je sais pas si je lui fais jusqu'au bout. Peut-être, oui. On va faire un habit jusqu'au bout. Les petits... Il y a les cheveux de la sorcière qui se collent. On verra après. Peut-être que je lui ferai... Je dédoublerai peut-être les brins de laine pour lui faire les cheveux tout foufou. Ça, c'est qu'un détail. On verra ça dans les finitions. Hop. Voilà. Je mets encore un peu de colle là. Voilà. On va essayer de faire ça propre. Je vais aller jusque là. Et ensuite, je couperai au pistolet, ciseau cranteur. Voilà. Tac. Ensuite, donc, il fallait que je lui fasse un petit chapeau à ma sorcière. Alors, j'ai préparé un cercle de feutrine noire, donc pour la tête, pour en finir sur la tête. Et j'ai fait un petit chapeau... la pointe du chapeau de sorcière en feutrine violette. Donc je viens enfiler ma petite feutrine là. Je ne sais pas du coup si je mets de la colle tout de suite, je vais déjà coller le chapeau sur la tête de la sorcière. Et après je verrai les finitions, comment on fait. Alors, de la colle. La petite tête, hop, pas trop mal, je suis peut-être un peu trop haute par rapport à vous. Je vais mettre le chapeau de travers, mais c'est bien, je trouve. Ça donne un petit style. Ensuite, donc là, ouais, on voit un peu le violet, donc je vais essayer de mettre un petit peu de colle là. En faisant pas trop baver, parce que j'ai pas trop envie qu'on voit la colle. Hein. Une créa avec la colle apparente, c'est pas très très joli. Alors, je profite de cette vidéo pour vous remercier donc de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé sur YouTube, car hier j'ai dépassé les 100 abonnés. Et donc, j'ai décidé d'organiser un petit concours. Mais je n'ai pas encore trouvé, j'ai pas encore trop réfléchi au lot que j'allais vous faire gagner. Donc, pour l'instant, je vous en parle pas là où je vous en parle comme ça aujourd'hui, mais je ferai une vidéo avec les modalités du concours. Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Voilà. Donc ça commence déjà à prendre forme. Et ensuite, donc, j'ai cherché partout du tulle noir dans le commerce. J'en ai pas trouvé, mais je suis allée dans une mercerie et le vendeur m'a conseillé ce ruban un peu en organza, style voile. Donc j'ai pris ça pour faire la robe de la sorcière. Je me suis préparée une petite aiguille avec un petit morceau de fil. Et donc là, je vais coudre directement la tenue de la sorcière. Donc je fais un peu plissé, on va dire. Que ça fasse un peu plissé. Voilà. Et là, je vais commencer au-dessus des bras peut-être. Non, en dessous. En dessous des bras. Attendez, hop, pas évident. Tac. Et je continue.
Je fais plisser, je passe dans ma feutrine, je tire un petit peu. Hop, voilà. Comme ceci. Je vais repasser un petit coup pour que ça tienne bien. J'ai les fils de colle de je sais pas d'où qui viennent se mettre. Voilà. Tac. Tac. On habille la petite sorcière. Ça commence à prendre forme. Donc, je passe un coup à l'endroit, un coup à l'envers, un coup à l'endroit, un coup à l'envers pour faire un genre de pli. Je suis pas une spécialiste de la couture, mais je suis un peu touche à tout. Donc, ça ne me dérange pas du tout de faire un peu de couture en direct là. Enfin, en direct, si on veut. Si on peut appeler ça du direct. Hop, ça je vais lui mettre là. J'espère que ça va bien rendre au final. On va lui faire un peu. Tac. Tac. Alors. Là, la robe qui se lève. Ben, comme ça, c'est pas trop mal. Après, je pourrais peut-être arranger hors caméra comme il faut, hein, parce que pour lui faire bien sa petite robe. Donc voilà ce que ça donne, ma petite sorcière. Peut-être couper le fil quand même. Enfin, enlever l'aiguille. Je ferai le nœud après, hors caméra. Ensuite, je voulais lui mettre un petit ruban sur le chapeau. Je sais pas si je lui mets du orange ou du violet. Après, violet sur violet, ça fait un peu... Je vais lui mettre du orange. Je vais couper mon pistolet à colle pour l'instant. Voilà. Et donc, en fait, pour le ruban sur la feutrine, pour pas qu'on voit trop les traces de colle, je vais prendre la colle de chez Action. La colle tissu. Celle-ci. Je crois que je vous l'avais déjà montré la dernière fois. Elle est pas trop mal. Donc, en fait, j'en mets directement sur mon personnage. Voilà. Donc comme ça on la voit bien, mais en séchant, eh ben, on ne voit plus rien. Hop. En plus, ça durcit un peu le. Du coup, ça durcit un peu le chapeau. Enfin, pour celle d'hier, ça m'a fait ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui, ça sera pareil. Voilà. Je fais de l'autre côté. Hop, voilà. Je mets. Hop. Mince. J'en ai mis sur le chapeau. Je vais m'aider de mes ciseaux. Pour appuyer. Il
Bon, il y a un petit peu de colle, j'espère que ça ne se verra pas en séchant. Donc voilà la petite poupée. Et donc je voulais lui mettre son chat dans les bras. Mais je ne sais pas du tout comment faire. Donc je me dis peut-être. Peut-être. Parce que son chat, du coup, c'est un chat autocollant que Corinne m'avait donné dans son colis. Je me dis peut-être de le passer comme ça. Un peu un genre comme ça, mais il faut pas que de l'autre côté ça fasse moche. Puisqu'on va la suspendre, donc si de l'autre côté ça fait l'arrière, bon, je pense quand même que je vais faire comme ceci. Voilà, la petite sorcière customisée. Donc là, j'ai été un peu plus rapide que pour l'autre. Mais bon, en vidéo, c'est vrai que c'est pas évident à faire. Donc je vais la fignoler, je vais peut-être lui faire les cheveux frisés, dédoubler les fils de laine. Regardez s'il n'y a pas trop de colle qui traîne. Voilà la petite sorcière, je vous remonte la première. Voilà Corinne, tu me diras si le défi customiser une pince à linge vintage est réussi ou non. Eh ben, je vous laisse pour aujourd'hui, en vous embrassant très très fort. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Au revoir.